Hey, 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 cucu, mes petits culs, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Speed Build sur les Sims 4. J'espère que vous allez bien déjà. Et aujourd'hui, je vous présente un petit Speed Build d'une construction vraiment, vraiment assez spéciale. J'en ai conscience qu'elle ne plaira pas à tout le monde. Vous dites déjà, ouais, ok, c'est des ruines et tout, qu'est-ce qu'on va en faire avec? Ben, je suis complètement d'accord. Mais en fait, ce n'est pas que des ruines. Alors, ce sont des ruines que j'ai adoré faire déjà. En plus, j'ai joué avec les petits monticules et tout ça. La terre, elle est plus ou moins. Enfin, les panneaux sont plus ou moins recouverts de terre. Il y a des cailloux, des fleurs, tout ça. C'est vraiment un truc super cute que j'ai adoré faire. Mais pas que. C'est-à-dire qu'il y aura deux lots, des terrains disponibles dans la galerie. Vous pourrez choisir lequel des deux vous voudrez, puisque moi, je ne fais que vous proposer quelque chose qui risque de pas plaire à tout le monde. Mais qu'importe. Alors, on va déjà voir commenter ce qui se passe. C'est-à-dire que là, je vais mettre la blinde, la blinde, la blinde de lierre. Ben oui, c'est des ruines. Elles sont sauvages, elles sont mystérieuses. Mais qu'est-ce que c'est que ça, hein? En tout cas, les pierres, les vieilles pierres de cette ruine ont été recouvertes de lierre. Le passé, est présent. On sent que c'était un lieu qui a vécu. Et peut-être qu'il vit encore aujourd'hui. Et ça, vous allez le voir. En tout cas, moi, j'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment kiffé. J'aurais pu faire encore plus, mais vous savez que c'est pas la première fois que je fais des petites ruines. J'aime bien, je sais pas. Après, je trouve que il manque pas mal d'objets dans les Sims pour faire vraiment quelque chose de cohérent au niveau des ruines. Là, j'ai vraiment joué sur la carte des panneaux aux différentes hauteurs. Et puis, voilà. Après, j'aurais pu faire vraiment avec les espèces de colonnes brisées, les escaliers brisés. Mais je me suis dit que non, c'était trop facile. Donc, je suis vraiment. Voilà. Je suis partie là-dessus avec de la fougère de partout, évidemment. Des quelques vitres, enfin des fenêtres dont il n'y a plus de vitres, puisque bien sûr c'est très vieux et que ça a été endommagé avec le temps. En tout cas, je me suis éclatée avec les lierres là, il n'y a pas moyen de. En fait, c'est une des rares fois où j'utilise les trois coloris des lierres, c'est-à-dire le vert clair et le rouge. Et en fait, le mélange est vraiment très très joli. Je pense que du coup, je vais l'utiliser beaucoup plus souvent que ça. J'ai aussi mis quelques petits rosiers desséchés, morts, tout ça. Je les ai surtout mis d'un côté, en fait, des ruines, comme si c'était un côté qui était moins touché par le soleil, ou trop par le soleil, justement, parce que je crois que le soleil donne directement sur l'espèce de tour que j'ai faite. Et que, par conséquent, là où il y a un peu moins de lumière, et ben, les fougères se sont bien développées, en fait. Voilà, après, je me suis éclatée, bien sûr, avec des objets du pack jungle. Bah oui, hein, qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'aime ça, j'aime ça. Alors, c'est une chose étonnante, c'est que j'ai pas vraiment mis les espèces de grosses fougères qui pendent, là, de la jungle. C'est étonnant, parce que justement, je voulais pas. C'était pas vraiment mon but d'être dans la jungle. C'était vraiment genre une ruine en campagne, voilà, un ancien château qui s'est délabré, qui s'est pris quelques bombes dans la gueule au passage. D'une guerre ou deux, je sais pas, et puis c'est une vieille bâtisse que personne n'a voulu entreprendre pour restaurer, et puis voilà, ça, ce qui a fait que ça rend comme ça. Alors, il y a un petit mur qui est de traviole, là, vous inquiétez pas, je vais le voir après, et je vais le supprimer, parce que je sais même pas comment je l'ai mis là-dedans, mais bon. Voilà, 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 il est supprimé. Je retravaille un peu le sol, parce que justement, il y a cette espèce de petit rebord que je ne veux pas voir. Mais je veux être sûre que les Sims puissent accéder à cette porte. Puisque, peut-être l'avez-vous deviné, il se passera quelque chose en sous-sol. Et oui. C'est pour ça que je me suis dit que ça peut ne pas plaire à tout le monde au niveau de cette construction, au niveau de ce concept. Et que je proposerai deux terrains dans la galerie. Les ruines seules que vous êtes en train de voir. D'être créé, c'est-à-dire que vous aurez que les ruines, vous pouvez le transformer en parc hein, si vous le voulez. Vous prenez, vous mettez un barbecue, machin, un table d'échecs, deux, trois sièges, et puis vous l'avez en parc et vous pouvez vous balader bah, comme des fois on va voir des vieux châteaux, des vieilles ruines, et puis on s'éclate en faisant un peu de tourisme et puis des photos et tout ça. Moi je pense que vos Sims pourraient très bien s'y plaire. Et la construction en entière que je vous allez découvrir, mais pour l'instant je ne dis rien, je préfère que vous le voyez de vous-même.
Bien sûr, qui dit ruine dit végétation. Qui dit végétation dit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'herbes folles. Et là, je commence à placer des pierres comme si c'était les pierres des châteaux. En fait, l'accumulation des... Bah, tout simplement bah, des châteaux, j'allais dire. Pff, du château, de l'ancien château, c'est voilà, l'éboulement de tous les murs, tout ça. Ça s'est accumulé au pied des murs. Et puis, et bah, c'est resté là comme ça, quoi. On n'a pas vraiment enlevé ou quelques-uns. En tout cas, ça donne un aspect beaucoup plus brut, beaucoup plus sauvage à l'ensemble. Et j'aime beaucoup. Moi, je. Pff. En même temps, tant mieux que j'aime ce que je fais, parce que si j'aimerais pas mes constructions, ce serait quand même triste. Hein. Mais bon, il y en a sûrement qui le font, je sais pas. En tout cas, moi, j'ai adoré faire cette constru. Alors forcément, comme il y a un petit peu des trucs vallonnés et tout ça, les pierres volent, donc on peut les mettre en dessous pour combler tout ça. Mais ça se donne un vrai effet sympa. Et vous avez vu que là, au sous-sol, j'avais des fougères qui s'étaient mis... Eh, ça le fait pas trop quoi. Les petites marguerites un peu partout. Ça donne aussi un peu un côté sauvage. Des fleurs. En veux-tu, en voilà des fleurs de toutes les couleurs. Ça, je me suis bien éclatée aussi. Je les remets toutes les couleurs pour que ce soit à peu près coloré dans tous les sens. Oh la vache, j'en ai mis hein, quand même. J'ai pris du temps hein, là-dessus quand même, hein. Je tiens à vous le dire. Après, on sort d'autres fleurs un peu plus, voilà, qui donnent du relief, un petit peu de lavande, un petit peu de ci, un petit peu de ça. Un petit peu de petites fleurs jaunes, là, je sais même plus comment elles s'appellent. Un petit peu d'arbres, évidemment, parce que le terrain est quand même un peu sauvage, juste un peu. Et alors, ouais, j'ai voulu. Taper le délire de bah finalement dans la tour il y a un arbre qui a poussé. Le truc c'est que en le grossissant c'était très très moche. Donc j'ai préféré en fait le mettre comme il était normal mais en haute mais il vole en fait. Donc en fait quand les murs sont montés tout ça dans la ruine ça fait super beau. Ça on a l'impression que moment que l'arbre sort de la tour. Mais évidemment si vous jouez avec les murs baissés en tout cas pas les étages d'affichés. Et ben ça va faire pas très joli parce qu'il y a Nov qui va voler. Mais bon, l'effet est voulu. Et puis de toute façon, je pouvais pas mettre de poteau ni rien, ça n'allait pas du tout. Donc j'ai un arbre qui vole dans la tour, mais c'est pas grave. Ah oui, vous pourrez me dire, oui, ben dans ce cas-là, t'aurais pas dû casser et mettre complètement le sol, en fait, laisser le sol au premier étage par exemple. Mais non, je voulais tout casser moi. Voilà. Alors, ça y est, on attaque le sous-sol. Et dans ce sous-sol, ce n'est pas. Rien d'autre qu'une habitation. Donc il n'y a rien de voilà d'extraordinaire, c'est juste une maison, mais c'est le concept de maison souterraine qui, je pense, ne plaira pas à tout le monde. J'avoue que ça fait un peu manquer de luminosité, tout ça, mais j'aimais bien l'idée en fait d'avoir comme si en fait on se dit ouais, c'est que des ruines, il n'y a personne qui habite là, mais en fait, si. En dessous, il y a juste une baraque super bien faite, quoi. Mais que personne viendra les emmerder parce que on a l'impression que c'est juste un terre-à-vagues avec un vieux machin qui se délabre au fil du temps. Et en fait, non, on a une belle maison avec plusieurs chambres et tout, beaucoup de confort. Et après, voilà, j'ai voulu garder un petit côté rustique, que j'adore, le rustique, avec les vieilles pierres, pareil que dans le château. On dirait que c'est juste qu'ils ont aménagé les oubliettes et tout le merdier, et qu'ils en ont fait une habitation. Donc on a un peu le côté pierre, vraiment dans toute la maison, tous les murs sont en pierre, le sol est en dalles, et puis après, ben c'est kiff kiff quoi. Enfin, on essaye de faire une déco qui se veut un peu moderne. Donc du coup, j'ai un peu sorti cette petite. Petite cuisine là, bien sympathique. Ce sera une cuisine dînatoire, donc on a aussi la salle à manger avec. Bref, en tout cas, les Sims. Comme en fait, vous avez vu que c'était un peu en étoile le truc, ça partait. On a une scène, on a une pièce centrale qui se distribue en vers trois parties. J'ai pas voulu faire les trucs trop éloignés, donc c'est pour ça que j'ai fait la cuisine avec la salle à manger directement. Les deux en un, pour que les Sims, quand ils se font à manger, ils mangent là, ils vont pas manger à 10 000 km. En face de cette cuisine, j'y ai installé un salon. Pour que là, on ait de la place tranquillement pour faire ce qu'on a à faire dans le salon, c'est-à-dire regarder la télé, se détendre,
J'ai mis un maxi écran. Comme ça, ils ont de quoi faire. J'ai mis un bar aussi, ça fait du bien. On peut se dire que voilà, ils peuvent recevoir des amis. Tranquillement, ils vont chiller, ils vont mettre Netflix là. Allez, tranquille. Et c'est plutôt dans les tons bleu marine que j'ai voulu mettre ce salon. Et puis, pour encore une fois, j'ai utilisé cette espèce de tapis, une espèce de forme bizarre là. Mais je trouvais que le couleur était celui qui allait le mieux. Parce que c'est un peu compliqué de trouver certains tapis. C'est toujours, moi, j'adore les tapis, j'adore mettre des tapis, mais des fois, on n'a pas le tapis qu'il nous faut. Voilà. Ça manque de tapis dans les Sims, je pense. En tableau, il manque aussi pas mal de choses. Il manque juste des trucs genre abstraits de toutes les couleurs. Mais pas trop connotés, juste deux couleurs, quoi. Il faudrait vraiment genre un bleu foncé, un bleu clair, dans la même toile, et pas un bleu avec un jaune et avec un rouge. Non, bah non, parce que si on fait que bleu, bah voilà. La troisième salle qui a ce premier sous-sol, c'est une piscine, mais une espèce de salle de sport et détente, et spa un peu. Parce que voilà, il y a le tapis de yoga, il y a le truc pour se faire masser les pieds et les mains, il y a le tapis de course, il y a la piscine, il y a le petit tabouret qui fait face à la piscine, pareil pour le tapis de yoga, pour l'esprit. Zen. J'aime beaucoup cette salle. Je me dis que j'aimerais bien, moi, y passer du temps tranquillement, on fait son sport, voilà, on se détend, tout ça, on pique une tête dans la piscine. Vraiment très cool. Ensuite, je me suis dit que j'allais quand même un peu décorer les espèces de couloirs qui distribuent les pièces. Ce serait dommage de rien mettre dedans. Mais des fois, c'est compliqué parce que ben, on n'a pas forcément la pile de la déco qu'il faut. Donc j'essaie ces pseudo-tables-là un peu modernes. Et j'ai quand même mis un tout petit peu de fougère, un tout petit peu de fougère dans la jungle, dans la piscine qui tombe un peu dans l'eau. Et je trouve ça super fun en fait. Ça donne un côté un peu sauvage, un peu truc souterrain, une espèce de. Ouais, comment. Une source souterraine qui a donné une piscine naturelle, mais c'est pas du tout le cas, hein, mais j'aime bien l'idée en fait. Voilà, donc vous voyez, il y a ces espèces de tables un peu modernes que j'ai mis dans la salle de distribution. En fait, ça un peu. C'est juste un palier. Ça sert de palier puisqu'on a l'escalier qui descend encore, et oui. Si vous allez me dire, mais dis donc, où est-ce qu'elle aura mis les chambres? Eh bien, les chambres, elles sont en dessous en fait. Là, je me suis rendu compte que j'avais pas prévu de la place pour mettre des toilettes dans la maison, donc j'en ai foutu un peu partout. Voilà, il y a une douche à côté de la salle de sport, c'est plus logique. Votre Sim, après son yoga ou après son tapis, il va puer la mort, donc il aura une petite douche là. Il y a des toilettes à côté et j'ai remis des toilettes à côté du salon, donc voilà. Ici, on s'est donc deuxième sous-sol et j'ai fait des formes un peu originales. Que c'est des demi, enfin même des trois quarts hexagones, là, octogone peut-être, oui, non, hexagone, ouais, je sais plus, bref. Et je me suis dit, dans chacun, ça sera une chambre. Donc, du coup, cette espèce de maison troglodyte souterraine originale a quatre chambres. Et une capacité, du coup, bah, de 5 Sims, puisqu'on compte les parents, deux enfants et une partie bambin bébé. Bon, ce qui est de la décoration. J'avoue, je me suis pas cassé la nénette, comme on dit, hein. Là, j'ai un peu galéré parce que je voulais juste une lampe, mais simple. C'était parfois un petit peu compliqué. En plus, ce qu'il y a avec le lit que j'ai choisi en vert et violet, c'est un peu compliqué de trouver un violet qui sont dans le même ton. Ah, je vous jure, hein, des fois, les Sims, ils font des très beaux coloris, mais qui ne s'accordent pas avec tout le reste. Et c'est pour ça qu'au niveau déco, il n'y a pas trop de choses sur les murs, parce que, ben, en cadre et peinture violette, il n'y a vraiment pas grand-chose, quoi. Et comme je voulais pas trop mettre de vert, parce que c'est ce qu'il y avait déjà en trop dans la chambre, je veux dire, j'avais très peu de violet, j'ai vraiment galéré. Donc il n'y a vraiment pas grand-chose. Mais après, c'est pas grave, ça fait un peu épuré cette chambre et on est bien. Je trouve qu'elle est plutôt bien. Et dans les espèces de petites trucs tout biscornus, donc je me suis dit que j'allais faire des salles de bain. En même temps, elles sont attenantes aux chambres, c'est encore mieux. Cette espèce de second palier, lui, et fait comme une salle de jeu avec la borne d'arcade qui est énorme, les fléchettes, le jeu du lama, le baby-foot. Il y a plein de trucs, voilà. C'est un peu vraiment le coin détente. Comme là, il n'y a pas d'autre sous-sol. Voilà, j'ai que deux niveaux de sous-sol. C'est vraiment ici que j'ai voulu faire le coin jeu. Enfin, voilà, je me suis dit pourquoi pas faire un petit coin jeu. Là, on attaque la chambre bambin bébé.
Alors l'espèce de truc là, l'espèce de table, je pensais que c'était pour les bambins, mais non, c'est pour les enfants, donc c'est pas grave. On dirait que bah, de toute façon les enfants, les bambins, ils joueront au même endroit, même les adultes, ils jouent à la maison de poupée. Et là je me suis dit, bah oui, tiens, si je fais bambin, je peux tout mettre une peignoire dans cette salle d'eau au lieu d'une douche, puisque il vaut mieux les laver les bambins quand même, parce que sinon si on les lave pas, eh ben la SPA arrive, donc ce serait dommage. Alors, j'ai voulu faire un semblant de comme s'il y avait une fenêtre. Donc, j'ai juste mis les rideaux. Et en fait, je trouve que ça fait vraiment mignon. Et j'ai mis des petites guirlandes de fleurs là, lumineuses. C'est hyper cute. Voilà. Disons que là, il y a de la déco. Et ça fait que les pierres, en fait, apparentes sont moins bizarres. Ça fait moins froid. Vu qu'il y a de la déco partout. En même temps, c'est pour les bébés. Donc, c'est logique que ce soit archi décoré. Dans cette pièce-là, donc, c'est une chambre plus pour une fille, après rien ne vous empêche de changer les coloris pour mettre un garçon, si vous avez un garçon. Sachant qu'il y a déjà la chambre plutôt garçon mais qui est un peu neutre puisqu'elle est noire et blanche. Donc vous pouvez être qui vous voulez là-dedans. Et là c'est un peu les coloris un peu différents puisque c'est blanc et vert d'eau que j'ai voulu faire. Bon après le vert d'eau je l'utilise très souvent en ce moment, j'ai une folie. Mais blanc et rose. C'est ouais, le vert et rose comme le lit en fait c'est... Du coup, j'ai essayé de trouver le seul tapis que j'ai trouvé qui pouvait correspondre, c'est celui que j'ai mis là. Non, j'essaye quand même de trouver quelque chose. Enfin, en fait, j'aime pas les bords noirs qui sont un peu agressifs, mais c'est celui que j'ai trouvé qui correspondait le mieux. Donc, je suis restée avec et j'ai voulu faire quand même une ambiance un peu tamisée au niveau des lumières. Donc, c'est ce que j'ai fait avec cette petite lampe à papier. Et une jolie commode verte. Je dis, pour une fois qu'on a des meubles un peu verts, j'avais jamais utilisé en fait, dans ce coloris-là, alors que là, l'autre armoire là avec les fleurs roses, oui, j'avais déjà utilisé. Donc j'en ai profité. Alors tout ce que je pouvais mettre en déco qui avait les mêmes coloris, j'y suis allée. Voilà la seconde chambre enfant, en tout cas enfant-ado, comme vous voulez. Qui est donc plus dans les coloris noir, blanc, gris, beaucoup plus sobre. Alors là, je me suis dit, ah oui, j'ai pas mis de bibliothèque. Attendez, je vais le mettre là. Je vais le mettre dans le salon, hein, comme ça. Ils ne sont pas obligés dans la chambre du garçon pour aller se faire de la lecture, les Sims. Hein, ils pourront aller seulement dans le salon. Donc pareil, au niveau déco, ça n'a pas non plus été la folie. Trouver des toiles. En plus, j'ai l'impression de les avoir déjà mis toutes 10 000 fois. En fait, on les voit tellement tout le temps. C'est toujours les mêmes toiles et ça manque énormément de toiles. Et puis, moi, je vais vous laisser. C'était déjà la fin. J'avais pas vu ça venir. Je vais vous laisser du coup pour la visite de cette maison un peu mystérieuse, des ruines mystérieuses et de la maison souterraine. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, à aller voir des pubs sur la page Utip et compagnie. Et je vous embrasse très très fort. À tout bientôt pour une autre construction des Sims ou un Let's Play, etc. Allez, salut!